Pégase n'ouvre plus ses ailes, il prend l'avion. Quand on est vedette, on n'ignore pas les photographes. Certains chevaux sont des habitués des grands voyages, les pur sang qui vont courir sur les champs de courses étrangers, et les chevaux de haute compétition qui s'affrontent dans les rencontres internationales. Déjà au XVIe siècle, avec les conquistadors, les chevaux avaient franchi l'Atlantique en caravelle pour conquérir le Nouveau Monde. Aujourd'hui, les chevaux des équipes européennes prennent l'avion pour Montréal, où vont se dérouler les 21e Jeux olympiques. Ces chevaux qui vont s'envoler sont des athlètes. Comme tous les athlètes de haut niveau qui vont s'affronter aux Olympiades, ils se sont élevés de compétition en compétition et selon leur rythme, d'un entraînement de plus en plus scientifique. Ce sont les meilleures équipes européennes qui disputent les épreuves du concours complet. Commandant Buret, l'entraîneur, donne les ultimes conseils à Christian Rigaud, un des plus jeunes concurrents. Une seconde d'intense concentration avant le départ. Jean-Yves Touzin, alors champion de France. Christian Larcher, le vétérinaire de l'équipe de France. La belle tête sensible d'Andalou, un des meilleurs chevaux de complet de sa génération. Le concours complet est une discipline peu connue du public français. C'est pourtant celle qui exige le plus du cheval et du cavalier.
Les Anglais appellent le concours complet 3-day events, c'est-à-dire le concours de 3 jours. C'est en effet sur 3 jours d'épreuve que les chevaux et les cavaliers sont jugés. Le premier jour, dressage, pour démontrer la maniabilité du cheval. Le deuxième jour est le plus difficile, mais aussi celui qui offre les plus grandes joies à un cavalier bien préparé. Il faut d'abord faire, dans un temps de 25 minutes, un parcours routier de 7 km environ. Ensuite, au galop, passer les 12 haies d'un parcours de steeplechase, et cela environ en 6 minutes et sur 4 km. Puis en 50 minutes, un autre parcours routier de 14,5 km environ. Enfin, après une courte période de repos et un examen vétérinaire pour juger de l'état des chevaux, commence le cross-country. Sur près de 9 km en terrain difficile, 35 obstacles de toutes sortes, comprenant nécessairement une rivière, à franchir en 16 minutes. Et le troisième jour, pour les rescapés et après une inspection vétérinaire, l'épreuve de saut d'obstacles qui démontre si le cheval a conservé une forme suffisante après les efforts terribles de la veille. En Allemagne, il n'y a guère de concours hippique sans exhibition de voltige. Ici, elles ont de 10 à 15 ans, l'âge où les filles sont littéralement amoureuses des chevaux. Présentation des équipes avant les épreuves de saut d'obstacles. Avant que de les franchir, les concurrents font le parcours à pied pour calculer leur approche des obstacles. Marc Philippe, c'est son épouse, la princesse Anne. Aujourd'hui, c'est lui qui court. Aux Jeux Olympiques, les rôles sont inversés. C'est Anne qui fera partie de l'équipe anglaise. Cheval vainqueur mange sa médaille.
Pour préparer les Olympiques à Montréal, Guy Lefranc, l'entraîneur de l'équipe de France de contre complet, avait emmené les chevaux faire un stage au bord de la mer, près de Granville. Il s'agit de parfaire la musculature de leurs épaules, de leur redresser le dos, de fortifier leurs tendons. Ça fait plaisir quand on entend qu'on parle d'eau du salmon comme ça. Les cavaliers de concours complet soignent eux-mêmes leurs chevaux. Ils doivent arriver à une connaissance intime, profonde, qui engendrera la plus totale confiance. Bon, c'est pas mal. Allez, reprenez-le. Reine droite, jambe gauche. Allez, tournez. Reine droite, jambe gauche. À la sortie du tournant, allongez. Trois foulées. Bien, reprenez. Reine gauche, jambe droite. Reine gauche, jambe droite. À la sortie, allongez. Bon, là, il s'est un peu défendu à droite. La dernière séance de dressage sous la direction du colonel de la Doucette. Et oui, il vous est passé un peu au-dessus de la main, là, sur votre... Et le dernier maintenant d'entraînement sur le parcours de crosse à Fontainebleau. Et puis ce sera Montréal et les Jeux Olympiques. Remember these facts and reach for nothing. And what a field. Nine competitors and they are away. In lane number one, it's Spain. In lane... Sheila Ingram seems to be running very smoothly. It shows how intelligent Chris the rider must be, because he must give the horse at least two horse lengths, warning what's going to happen. So he must be on a TV. He must tell the horse in advance what's going to happen. Prepare the horse very subtly so that the horse doesn't get all upset about what's to come. L'autre jour, nous étions dans une journée assez mouvementée, faisant le trafic à la sortie du grand stationnement du terrain des caisses de Beaumont. Puis nous pouvons estimer à près de 12 à 15 000 voitures. Il y avait 12 à 15 000 voitures. Ça, c'était pourquoi? Pour quelle épreuve? Pour les soins hauteurs, compétition de soins hauteurs. Ah. Il y avait environ 30 à 40 000 personnes. Puis nous étions pris dans un, pas un embouteillage, mais un marasme épouvantable. Ça a pris à peu près 4 heures.
4 ah, heures. Il a plu en plus. Oui, c'était pas drôle de nous voir aller. Les deux pieds dans, la camelotte dans l'eau, le mouillé traversé bras en bas. Et c'était terrible, franchement. Romont ressemble un peu à un camp retranché. Dispositif de sécurité, peut-être un peu voyant, non? À cause de la présence de la princesse Anne et de la visite de la reine Elisabeth? Pour certains gens, ça a peut-être paru un peu superflu, mais fallait que ça soit comme ça. Bah, c'est toujours superflu quand rien n'arrive. S'il était arrivé quelque chose et si vous aviez pu... On aurait été plus peut-être à blâmer si on n'aurait pas été sur le qui-vive. Bien sûr. Bon, là, que ça se termine pareil. Pierre Gérard Clodon, le propriétaire d'Andalou et le colonel de la Doucette, l'entraîneur national. Gérard Larcher, le vétérinaire, et Guy Lefranc, entraîneur de l'équipe de concours complet. Dominique Bentejac, Jean-Yves Touzin, et un personnage très important, le maréchal Ferrand. Thierry Touzin. Jean-Christian Valla, mettant la dernière main à la toilette de Vampire. La veille des épreuves du concours complet, les cavaliers doivent présenter leurs chevaux devant une commission vétérinaire qui décide de leur aptitude à concourir. Seuls des chevaux super athlètes, au mieux de leurs conditions physiques, sont admis au concours complet. Le prince Philippe, président de la Fédération équestre internationale et quelques juges internationaux. Jacques Le Goff, entraîneur français de l'équipe américaine. Arrivé à amener un cheval de concours complet, vraiment au sommet de sa forme, au jour J à l'heure H.
Ça, c'est la chimie, ça, c'est le mais problème. Mais ça, c'est un problème, déjà. Mais ce problème se complique d'autant plus qu'il faut faire ça dans trois disciplines. Oui, le dressage, le cross et le saut d'obstacle ne demandent pas nécessairement les mêmes aptitudes, surtout en même temps. Et c'est la relation entre les trois qui devient extrêmement difficile. L'équipe soviétique. Accepted. And the final country, the USSR. And their first choice is Dela. Le chevalier de Mentendehorn, secrétaire général de la Fédération équestre, et le juge international, Jurio de la Gravière. Avant le jour du cross, les cavaliers et leurs entraîneurs suivent à pied le parcours qu'ils devront faire à cheval. De quoi faire frémir tous les golfeurs du monde. Le terrain de cross aux Jeux Olympiques traversait le golfe de Bromont. Ici, les Français, les Russes et les Anglais se rencontrent au passage de rivière, qui sera l'un des obstacles les plus spectaculaires. Ça remonte pas, non? De toute façon, ce qu'il faut, c'est que vous envoyez bien vos chevaux. Hein. Condition sine qua non, les envoyez. C'est Marc Phillips qui se déchausse pour juger de la profondeur et des difficultés qui attendent Anne, son épouse. Le temps est maussade. La météo annonce de la pluie. S'il pleut, le parcours de cross sera encore plus difficile et dangereux sur un terrain rendu glissant. Difficile, dangereux, ce concours complet des Jeux Olympiques de Montréal le fut à combler les plus exigeants amateurs d'émotions fortes. Et comme il se disait dans les illustrés de notre enfance, nous verrons cela dans le prochain numéro.